passé le cœur. Mal. Très mal. Non, comment que toi aussi? Bon, mais comment ça? Tiens, go cracra et te connais comme une guerrière plein plein. Bon, il sait que la diatoire du vieux t'affaire, mais tu dois nuancer ses pires et aller devant. Si seulement je n'avais que ça à chérir. Je suis débordée par toutes les responsabilités que papa m'a laissées. Et pour plein d'autres choses aussi. J'ai l'impression que ma vie est sans dessus dessous, chat. Non, faut t'aimer pas, non, ton cœur a qu'à prendre l'eau, tu vois, non. Tu sais ce qu'on fait, non? T'aimes ce bouna et tu vas dans les premiers vols en direction Babi pour tes yeux, hein? Tu ferais ça pour moi, Nash? Ah, toi aussi. Tu m'as cessant, voilà. Ou bien, t'as oublié ça. Si elle fait pas ça pour toi, là, y'a qu'à faire ça pour qui? C'est une famille. Mais toi aussi, là, hey, faut arrêter de bouler biel dans yeux, hein? Voilà, faut que l'autre est là maintenant. Sinon, il vient plus. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais tout va bien. Je te retourne plutôt la question. Je ne suis pas la personne qui est allée faire un scandale gratuit pour foutre la honte à son mari en public. Mets-toi un peu à ma place, Ethan. Qu'est-ce que tu ferais si je te laissais pour aller fricoter avec un autre? Je ne fricote avec personne. Les hommes, j'en ai connu tellement que je peux même lire dans vos pensées. Ah bon? Alors comme ça, tu es une experte en hommes. Je savais pas. Agnès, elle est vraiment têtue. Bornée comme son père. On ne résiste pas à Fadoul de la sorte. Monsieur Fadoul, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Elle finira par accepter. C'est tonton Bernard qui vous le dit. Actuellement, elle est confuse à cause des deux hommes de sa vie. Tu veux dire à cause de ce traître d'avocat? Parce que ce soi-disant blanc, comment il s'appelle déjà? Papin. Une vraie femmelette. Quand je pense qu'il porte le nom de l'un des plus grands joueurs français. Le comble, c'est cet imbécile d'avocat qui a osé me menacer. Bernard, le temps presse et je n'aime pas ça du tout. Il faut que ta nièce signe de gré ou de force. S'il vous plaît, puis-je vous suggérer une brillante idée? Laquelle? C'est toi qui m'as demandé de quitter mon foyer. C'est encore toi qui m'as demandé d'aller faire un scandale à l'école de cette fille. Et maintenant, tout me retombe là-dessus. Tu fais quoi pour réparer ça? Hein? Écoute-moi. Tu vas commencer par te calmer, d'accord? Respire comme un fèvre. Allez, vas-y. Allez, assieds-toi. Bien. Comment veux-tu que je me calme? Ethan se fiche royalement que je sois partie de la maison. C'est à croire que tu ne connais pas très bien ton mari. Fier comme il est, je le vois mal retourner dans les bras de cette fille. Et puis au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Ginaël a un fiancé qui vient de Paris qui est venu la chercher. Hein? Et avec l'offre d'un milliard que lui fait ce Libanais pour acheter son école, d'ici peu, elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour toi. Je veux retrouver mon foyer au plus vite. Me réconcilier avec Ethan et tu dois m'arranger ça. Tu sais quoi? Tu vas retrouver ton foyer, crois-moi. Mais avant, si on profitait un peu. Si on faisait un petit tour là où tu sais. Ou si tu veux, on peut le faire ici.
Ce sera même plus intéressant. Non, Mike. On pourrait nous surprendre. Et en plus, tant que je n'aurai pas réglé mon problème, tu n'auras rien. D'accord? Même pas un baiser. Encore des soucis, mon petit. Mais non, c'est juste des petits pépins au boulot. Pourtant, ton ami Mike, il a l'air de bien s'amuser. Il prend toujours la vie du bon côté. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Mais il faut bien que l'un d'entre nous ait la tête sur les épaules, sinon on va fermer la boutique en moins de deux. Wow! Mais qui je vois là? Mais c'est notre directrice préférée. Wow! Mais comme elle est toute belle. Salut, beauté. Allez, viens, je t'installe. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Tant que ce clown devait m'appeler et jusque-là, rien. Bon, je pense qu'en ce moment même, il est en train de foutre la peur à ma nièce. Soyez un peu plus patient. Cette fois-ci, nous tenons le bon bout. Tous les jours, tu me racontes la même bêtise et on n'a que dalle. Je te préviens, si cette fois-ci ça mette, je passe à la vitesse supérieure. Je vais même oublier que c'est ta nièce. Il me faut ce putain d'établissement et au plus vite. Mais vous l'aurez, M. Fadoul. Vous l'aurez. C'est moi qui vous le dis. Je ne doute pas du fait que je l'aurai ou pas. Mais tu joues ta dernière carte. À partir de maintenant, on fait les choses selon mes méthodes. Et sache, petit Bernard, que mes méthodes sont très douloureuses pour mes ennemis. Oh, mais c'est Fadoul. Nous ne serons pas obligés d'en arriver là. Hein? Ma nièce Gina va céder. C'est moi qui vous le dis. Elle va céder. Nous la tenons jusqu'au cou. Elle ne pourra pas s'en sortir. Croyez-moi. Ceci est une mise en demeure. Si dans 2 semaines, vous ne recouvrez pas la totalité de vos impôts, votre école sera fermée. Bonne journée, madame. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Vous avez vu le garde des impôts, là? Oui, on l'a vu. Marie, tu viens t'asseoir? Je sais pas, je stresse, en fait. Non, franchement. Qu'est-ce que ce monsieur... Histoire. Mais franchement, je te dis, et en plus avec un visage fermé, il rit pas. Hein? Je crains que cette fois, ça ne soit la fin, cher. On n'en sait rien. Ils ont peut-être fini par trouver un règlement à l'amiable. Attends, t'as vu la tête de ce monsieur là? Il ressemble à quelqu'un qui a fait. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Donc je t'emmène le chauffeur avec le chèque de 2 millions comme convenu. Tu préfères que ce soit en liquide? Vous ne pas laisser de traces. Y a pas de souci, on fait comme tu veux. Je le répète, il ne s'agit pas de vendre l'école. C'est un agent des impôts qu'on vient de voir partir, pas un potentiel acheteur. Et moi aussi, je le répète, il s'agit bel et bien de la vente de l'école. Quelqu'un vient lui proposer 1 milliard pour le rachat de l'école. Et tout à coup, le fils débarque, comme par enchantement. D'après toi, c'est quoi la prochaine étape? Moi, je pense qu'il n'y a que Miss Héritier seule qui ait la réponse à cette question. Non, mais écoutez, raison pour laquelle il faut qu'on aille dans son bureau pour en avoir le cœur net. Oui, c'est vrai. Je suis là. Vous n'aurez pas besoin d'aller me chercher. Comme vous le constatez, le fils qui vient de passer... Miss Héritière, vous comptez vendre l'école, oui ou non? Avez-vous pensé à nous? Avez-vous pensé à nos familles? S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Parce que j'ai hérité de cette école, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de la vendre. Vous vous souvenez, mon frère et moi, on vous en avait parlé. Puis, plusieurs circonstances m'ont fait changer d'avis. Je suis restée. Dieu seul sait tout ce que j'ai dû sacrifier pour accepter de diriger Mélodie. Nous sommes prêts à faire des sacrifices aussi, Gina. Oui, à accepter une diminution de salaire. C'est vrai, Gina. Je crois que si nous serrons les coudes ensemble, nous pouvons aller très loin. Tu n'es pas obligée de vendre l'école. J'apprécie beaucoup votre engagement. Et j'avoue que je suis très émue de l'amour que vous portez à Mélodie. Mais ce n'est pas suffisant. Même si vous renoncez à vos salaires et à tout le reste, nous ne sommes pas en mesure de trouver 36 millions avant 2 semaines. 36 millions? C'est énorme, 36 millions. 36 millions. C'est plus grave qu'on le pensait. C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un chorégraphe, je vais forcément trouver un point de chute. Mais toi, Mélodie, c'était tout ton rêve. Je sais pas trop. J'ai pas envie d'y penser. En tout cas, pas avant que Mélodie soit officiellement vendue. En 6 millions? Mais comment on peut faire pour accumuler autant de dettes fiscales? Je me pose la même question. Et surtout en si peu de temps. Quoi? 3 ans seulement? Je n'en reviens pas. Mais est-ce que tu as bien vérifié ces documents? Est-ce qu'ils sont vrais? Malheureusement, tout est nickel. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai 2 semaines pour trouver 36 millions d'un côté. Et de l'autre, il y a Fadoul qui me propose 1 milliard de francs CFA pour acheter Mélodie. Alors, je t'avoue que je ne sais plus où j'en suis. Écoute, ma fille, quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu auras notre soutien. Hein? Mais... tu ne trouves pas que ça fait trop de pression pour toi? Surtout avec cette nouvelle histoire d'impôt. Hein? Pourquoi tu te résous pas à vendre cette école afin qu'on rentre en France? On aurait une vie paisible. Tu penses que c'est une décision facile à prendre? Tous ces étudiants, ces enseignants qui n'ont que cette école pour vivre, qu'est-ce qu'ils deviendront?
Mais l'argent que te propose la cureur, il est énorme. Dis-moi plutôt qu'il y a une autre raison. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ton avocat. Dis-moi plutôt que tu l'aimes. S'il te plaît, papa, je n'ai pas envie d'en parler. Pourtant, il faut qu'on en parle. De quoi j'ai l'air, moi? Un Français qui débarque en Afrique, croyant qu'il va épouser sa fiancée. Et qu'est-ce qu'il découvre? Elle a une liaison avec quelqu'un d'autre. Papa, ce n'est pas une question d'origine. Mais Gina, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Tu as quoi? Tu as comment ton visage est devenu fou? Tu sais, Nash, la mort de papa était pour moi comme une boîte de Pandore. Les problèmes se sont accumulés et je ne sais plus à quel sein me vouer. Ah, mais ça vrai, mais moi, je ne te connais pas point. Habituellement, tu es en béton, tu es cracra. Mais là, là, je ne suis pas sûr que ton couple va être en jail et te voir comme ça. Et puis, c'est pas l'endroit que tu m'as géré qui t'a confié le secours. Mais c'est devenu comme un cauchemar pour moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir assurer. Attends, prends ton temps, mais pour moi, là, c'est gâté, hein. Oui. Il me faut trouver 36 millions en moins de 2 semaines. Sinon, le fisc va fermer Mélodie. Bonjour, mesdames. Mademoiselle. L'offre d'1 milliard de mon client, Monsieur Fadoul, tient toujours. Il est parti, ton ami, là? Le chorégraphe. Mon boy? Oui, voilà. Oui, il est rentré. Il avait pas mal de contrats honorés. Ah, c'est pas étonnant. Il est si bon. Un vrai professionnel. Bon, écoute. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les Blancs. Mais chez nous, en Afrique, une femme, on l'éduque. On l'éduque. Oui, je suis censé comprendre quoi? Tu viens trouver ta femme, elle sort avec un autre homme? Et ça ne te dit rien. Et tu la suis comme un mouton. Bébé, c'est quoi ça? D'abord, Gina n'est pas ma femme. Et moi, je ne suis pas un mouton. Mais toi, tu es marié. Oui. Tu as une femme. Oui. Tu as des enfants. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais à squatter chez ta nièce et chez tes neveux? Comme un vautour. Moi, vautour. Écoute, petit. Si chez vous, le blanc ne vous a pas appris à respecter les vieux, moi, je vais te mettre à ta place. Me mettre à ma place? Tout de suite. On aura tout attendu. Un vieux grincheux comme toi. Toi-même grincheux. C'est vrai qu'il y a un milieu à Saint-Germain. Mais ton couvoir là, toute sa life dans ce coup, ça là. Tu vois, malgré ses crédits là, il n'a jamais voulu qu'elle ait ce coup. Donc, vraiment, c'est pas toi qui as fait ça. Et c'est la seule alternative, Nash. Soit je vends l'école, soit le fisc la ferme. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi ne pas prendre un jet avec Bankaya, Bankaya? Tous nos comptes sont à découvert. Et la banque refuse de nous faire un prêt. La seule alternative serait d'hypothéquer la maison, mais là encore, c'est un nom précis. Non, Gina, nous étions pour moi. Et c'est ce qu'on est en train de dire là. C'est pas pour toi seul. C'est nous, le Niara, c'est pour nous tous. Parce qu'un bloqué sans culture, c'est comme une marmite sans flocons. Donc, sans ça, là, nous tous, on n'est rien. Tu vois, donc, il faut les soins essayer de trouver une solution. Tu parles comme une vraie passionnée. Mais si c'est pour les enseignants et les étudiants que tu t'inquiètes, tu n'as pas à t'en faire. Moi, là, je ne pense même pas que ça pourrait dire quoi, nous-mêmes que les morales sont là. Je pense que c'est qui est dans leur cœur, là, tu vois, c'est qui va borotiser leur cœur, là. C'est ça que j'ai envie de faire, sinon c'est pas à faire des dieux seulement. Si je t'ai fait venir, Bernard, c'est pour que tu joues ta partition. Et je suis prêt à tout, monsieur. Actuellement, ta nièce est désemparée, avec cette histoire d'impôt qui lui est tombée sur la tête. On ne sait jamais, si elle hésite, il faudrait que tu sois là comme un bon père pour lui montrer le chemin à suivre. Continue-moi.
Bon pour l'ombre. Vous en aurez encore plus lorsqu'elle signera. Merci, M. Fadoul. Elle signera, je vous le garantis. Je veille au grain. Bien, je dois y aller. On s'informe. Je n'ai jamais été aussi proche d'avoir cette satanée école. J'imagine déjà mon supermarché qui s'étend à perte de vue. Monsieur Fadou, et moi. Écoutez, un, c'est moi qui vous ai donné l'idée des impôts. Deux, c'est moi qui vais convaincre ma nièce de signer. Je gagne quoi, là? Après la signature, tu auras tout ce que tu veux. Mais en attendant, ok. Tu es sûr que ça va marcher? Moi, c'est qu'il voit. Comme je suis là, le temps est celui-là. Moi, si prêt à l'âme à poitrine, tu vois, même si prêt à mettre mon écran devant moi, si faut pro partout, tu vois, dans les radios, les TV, les sur Internet, partout, créer des gens encore, tu vois. Voilà, les étudiants, même, vont pro chap-chap venir même dans le secours, tellement ils seront pro. Et puis, même là, les businessmen, c'est qu'ils jouent les babatiers qui sont là. Tu vois, ils vont venir debout ton mouvement. Elle va signer, M. Fadoul. Soyez un peu patient. Elle a reçu le contrat seulement hier. Elle prend juste le temps de le lire, c'est tout. Je suis convaincu que d'ici la fin de la journée, Mélodie sera à vous. Dépêchez-vous, maître. Normalement, avec la pression qu'elle a, elle devrait avoir signé déjà. Mais bon, comme c'est vous l'avocat. Allez, je vous rappelle. À plus. Salut. Combien de temps encore tu vas déprimer, toi? S'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler. C'est toi qui vois. Ma soeur a vraiment beaucoup de chance de t'avoir comme amie. Ah ouais? Elle m'a fait part de tous les conseils que tu lui as donnés et de tout ce que tu fais pour sauver l'école. Franchement, je suis très, très touché. Non, il y a foi et toi aussi. Tu sais que Gina, là, c'est plus à faire des badés. C'est comme ma soeur maintenant, tu vois, non? Et puis tout ce qui est Gbaïman, là, moi, je paye ça. Donc, on ne peut pas laisser les Morocs boler la culture, c'est notre Graya. Voilà, Jamcoque, mais on ne peut pas laisser. C'est pas à faire. C'est clair. Depuis qu'elle a hérité de l'école, c'est que des soucis. D'abord avec cet homme d'affaires véreux qui veut à tout prix acheter l'école, on ne sait pourquoi. Non. Et maintenant, il y a le fils qui lui tombe dessus. Ah, et là, elle ne sait vraiment où donner de la tête. Tché, tu sais, c'est quoi, hein? Quand d'un mara tapé, d'un dibdibi, quand tu deviens baba tché, d'un mouvement là, c'est tout quoi ça, tu vois, non? Mais il ne faut pas avoir ces débats, sans qu'un aga prend l'eau, tu vois? Toi, tu es son frère, tu sais qu'en esprit, à chaque arrêt, tu dois être en train de laborotiser. Donc je pense que c'est comme ça, au moins, son maïs va être tranquille, quoi. Ma siop, j'ai 9000. Il va te dire, mets quelque chose dessus. Et il y a toujours un petit coquin qui va te rapa. Mon vieux, voilà ton fils. Ah ah, mon vieux. Vous êtes petit, vous ne grincez jamais. Pecho Zilinga, l'enfant Kenzo, Korobanou, Aimé Zébié, Sadja la foule, Bobé Braza, David Monceau. Malik Toé, Désiré Kouadjo, Sadja la foule, eh eh. Sido Majesté. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sur nous, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Les TAP, entendez par là les techniques d'approche. Assez des malhonnêtes. Tu vois le gomi, tu veux Bambi, mais son angmoni, donc tu oi. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout, Abidjan est. La galère étant le cousin de la mort, après le travaillement, il faut prévoir l'arrangement. Oh. Abidjan Faro.
Tonton Bernard. Ouais. Tu n'arrives pas à dormir ou quoi? Oh, ma fille, je ne trouverai le sommeil que lorsque tu auras signé. Lorsque ma petite fille adorée aura moins de soucis. Ne m'en parle même pas. Mais mon amie Nash a réussi à me remonter le moral. J'étais sur le point de vendre l'école à Fadoul quand elle m'a suggéré de mener une campagne publicitaire. Question de faire un recrutement de nouveaux étudiants pour renflouer les caisses de l'école et faire face au fisc. Campagne publicitaire. Mais ma fille, là, on parle de 36 millions. Ce n'est pas une petite somme. Écoute, Fadoul t'offre une opportunité qui ne se refuse pas. Même si je ne suis plus d'accord que devant l'école. Mais soyons réalistes. Hein? On ne refuse pas un milliard. Je sais, tonton. Je sais. Mais je dois me battre pour cette école. Trop de vies en dépendent. Mais et si Fadoul renonce? Parce qu'on tourne à rond, là. S'il est vraiment intéressé par cette école, il ne renoncera pas. On ne sait jamais. Faut pas tenter le diable. Tonton, si je dois vendre Mélodie, ce sera ma dernière option. Depuis que je suis revenu de Paris, on n'a même pas fait l'amour. Pourquoi tu ne retournes pas à Paris, papa? C'est ce que tu veux? Tu veux que je rentre à Paris? Écoute, ma vie est compliquée en ce moment. Et tu es la dernière personne que je voudrais blesser. C'est déjà fait, Gina. Tout le monde me prend pour le dindon de la face. Même ton oncle, ce bon à rien d'oncle Bernard. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je suis comme un mouton qui te suit comme ça partout. Malgré tout le mal que tu me fais. Je suis sincèrement désolée, papa. Crois-moi. Si je pouvais changer tout cela, crois-moi, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tu es quelqu'un de bien. Tu ne mérites pas une femme instable comme moi. Alors les amis, vous connaissez tous la célèbre artiste Nash. Ouais. C'est une grande amie à moi, elle est au courant de ce qui se passe en ce moment, ma Mélodie. Donc en tant que bonne amie, elle a décidé de venir nous aider pour justement surmonter ces difficultés-là. Ça veut dire que l'école n'est plus à vendre? Pour l'instant, c'est une option que nous n'envisageons pas. Mais... Hé, Gina, tu sais, nous ferons tout ce que nous pouvons pour sauver Mélodie. T'as qu'à juste donner des instructions, c'est tout. Merci, Lino. Donc, Nash se propose d'être notre égérie pour une campagne publicitaire de grande envergure. Monsieur, le document que vous avez demandé. Merci, Miss Cadio. Merci, monsieur. Alors, comment il va le grand corps malade? Enfin, la grande âme malade. Toi, je vois que t'es plus radieux que d'habitude. Ouais, je prends la vue du bon côté. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour aller chercher ta femme avant que tes deux beaux parents ne débarquent chez toi pour te demander des comptes? Reste en dehors de ça, tu veux bien. Cette demoiselle dont tu raffoles, elle ira bientôt avec 1 milliard en poche. Fadoul lui a réitéré son offre. Contrairement à toi, Gina n'est pas obsédée par l'argent. Elle a une de ces forces de caractère que tu n'imagines même pas. Je n'en serais pas si sûr à ta place. Ouais.
avec les 36 millions qu'elle doit au fisc, qu'elle doit rembourser en 2 semaines, je ne donnerai pas si cher de sa peau, moi. Comment tu sais qu'elle doit 36 millions au fisc? Enfin, je suis au courant, c'est tout. Non, tu ne peux pas savoir cette information. Sauf si c'est Fadoul qui est derrière tout ça. Mike, t'es vraiment un salaud. Comment j'ai pu m'associer à un sale type comme toi? Tu me dégoûtes. Zou! Beaucoup de tiens, mais... Hey. Alors, ça a été? Ouais. Et imagine qui était le métronome de tout ça. Toi, bien sûr. Hey. Qui d'autre ça pourrait être? Tu es l'âme de Mélodie. Et je suis heureuse qu'on n'ait pas vendu notre école. Mais on a un gros défi à relever, par contre, si on ne veut pas perdre Mélodie. J'ai confiance en toi. Je sais que tu feras tout pour ne pas qu'on perde notre école. Tu es mon héros. Tu le sais, ça? Marie, tu trouves pas qu'on est trop proches? Ouais. Et ça me plaît. Non, je peux pas. Mais qu'est-ce qui ne tombe pas rond chez toi? Qu'est-ce que tu veux? Gina, pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu n'as pas encore signé le contrat de Fadoul. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je veux juste t'aider. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends cette carte. Appelle M. Alfred Zebi. C'est un très bon avocat fiscaliste. Il te guidera. Un arrangement est toujours possible avec le fisc quand le contribuable est disposé à coopérer. Appelle-le et surtout ne signe jamais cet acte de vente. Gina, Morola t'a fait quoi? Il a monté au cœur, gourou. Il ressemble à quelqu'un qui a bonne science, hein? Tu parles. Un gars à cause de qui j'ai mis ma relation en péril avec papa. Et du jour au lendemain, j'apprends qu'il est marié à une scandaleuse. Yeah, mais toi aussi, il fallait me commencer à vivre le malot. Yako. Je suis amoureuse de toi. Depuis le début. Je sais, Marie, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu as quelqu'un? Pas exactement. Ça veut dire quoi, pas exactement? Mais s'il te plaît, je veux qu'on reste de simples amis. Je ne veux rien gâcher en ton nom. Je veux juste que tu m'expliques. Tu trouves pas que j'en ai le droit? C'est pas facile pour moi d'en parler, mais... il faut que je t'en parle afin que tout soit clair entre toi et moi. Voilà, Marie, je suis attiré par les hommes. Je suis désolé que tu le saches comme ça. Je comprends ta réaction et même si tu ne l'acceptes pas, s'il te plaît, ne me juge pas.
Mélodie, c'est un digba sous clou d'enjaillement et d'égbaillement. Et puis là-bas, tu sais, tu as fait film, tu as fait. En tout cas, si tu as fait théâtre, on fait théâtre. C'est que tous les moments, de, quand on dit culture, si tu es ça là, nous on crée ça là-bas et puis on est là. Mais est-ce que vous pensez que cette école culturelle mérite le combat que vous menez? Oui, par exemple, où tous les Michael Jackson et le Côte d'Ivoire étaient des coups. C'est-à-dire que tu joues là-bas, tu sors star. C'est-à-dire que comme on est un mouvement artistique de Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a un soukou qui a existé et puis qui a volatilisé le mouvement. Et quand tu entends le nom de soukou Mélodie, tu sais qu'il y a un abonné là-bas. C'est un vrai soukou. Et si tu es percé là, si tu es déjà full là, il faut venir là-bas. Oui, Bernard, tu peux m'expliquer qu'est-ce que je suis en train de voir dans ma propre télé? Oui, mon frère. C'est ce que moi, je suis en train de voir ici aussi. Imbécile, tu étais censé convaincre ta nièce de signer et non d'envoyer une artiste faire la promotion de cette école. Donc, moi, je demande à tout le monde, il faut même vous donner un site qui est percé là. Il faut venir chap-chap, colo-colo, toi, mais tu apprendras. Allô, boss? Oui, allume ta télé et explique-moi ce que tu vois. Je n'ai pas la télé là où je suis. Allume ta putain de télé, bordel de merde. Je vous explique que je n'ai pas la télé là où je suis en ce moment. Tu as 5 minutes pour me trouver une télé et l'allumer, sinon c'est moi qui t'allume. Tous des incompétents. Regarde Gina, on est à 445 inscrits en ligne et ça ne fait que commencer. Et si ça continue comme ça, on aura de quoi avancer au fisc. Je suis fière de vous. Ah, tu veux dire de ton amie Sacha? Parce que c'est elle l'héroïne dans tout ça. Attends, mais si elle n'avait pas prêté son image gratuitement sur les médias, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu as vraiment de la chance de l'avoir comme amie. Oui, je sais, j'apprécie vraiment cette amitié. Mais merci à toi, Céline. Tu as un grand soutien pour Mélodie. Ah, je serai toujours là pour Mélodie. Tu peux compter sur moi. Je sais. Regarde, on est à 501 inscrits. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Ses réalités, mais il faut tenir bon malgré les difficultés. Tiens pas compte des coups bas, travaille et garde la foi. C'est pas sûr que tu feras un tabac. On ne peut cacher le soleil d'une main, tu es unique en ton genre. Les clés du succès te tendent les mains. Il faut résister, oui, malgré l'adversité. Blague à part, t'es le leader de demain. Blague à part. Il faut résister, résister, résister. Les faux amis, les détracteurs, mais ne baisse jamais les bras. La tentation est là, comme un lion en cageur. Et là, tant que tu te lasses et que tu baisses ta garde, comme un chien de garde, surveille tes rêves et tes pensées. Il faut résister, résister, résister. Il faut résister, résister, résister. Hey Mike. À quoi tu joues? Mais de quoi tu parles? Sérieusement, tu demandes de quoi je parle? Mais oui. Arrête de jouer les idiots avec moi, Ethan. C'est bien toi qui as mis la puce à l'oreille de Gina. Mais quelle puce?
Je lui ai juste conseillé de voir un fiscaliste pour qu'il aide à mieux comprendre cette histoire de d'impôt de 36 millions qu'elle doit payer en 2 semaines. Et réjouis-toi que je ne lui ai pas encore dit que c'est Fadoul qui est derrière tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Je te retourne la question. Pourquoi tu travailles avec cette fripouille qui finira tôt ou tard en prison? Pour de l'argent? On avait des valeurs. Des valeurs, mon cul, Ethan! Attends, tu crois que c'est avec tes sataneux valeurs que moi je vais payer mes factures? Arrête un peu avec cette rengaine, tu veux. Et tes problèmes, aussi nombreux soient-ils, ne justifient pas ta mauvaise foi. Et puis quoi encore? Tu me fais pitié, Ethan. Pendant que t'es là à poursuivre une femme qui te regarde même pas, tu te rends pas compte que quelqu'un d'autre se tape ta femme. Tu es pathétique. Sors de chez moi. Mike, sors de chez moi immédiatement. Tu dégages de chez moi. Est-ce qu'une amie peut t'accompagner? Bien sûr. Merci. Je m'en veux un peu pour tout à l'heure. Ça m'a fait un tel choc. Tu sais, Marie, c'est pas à toi de t'excuser. Je devrais moi aussi m'excuser. Parce que je crois que je t'ai donné de faux espoirs. Ne t'en fais pas. Maintenant que tout est assez clair, je t'en veux pas. Mais j'espère que tu vas m'ouvrir les portes de ton mystère. De mon mystère? Oui. Mais de quoi tu parles? Là où tu habites. Là où j'habite, mon mystère. Ah oui. Allô, Gina? Allô? Salut, comment tu vas? Je vais très bien. Merci pour le tuyau que tu m'as filé. J'ai pris rendez-vous avec ton ami et on se voit demain. Au fait, il m'a assuré que le fisc ne pouvait pas fermer Mélodie. Bien sûr, si j'étais disposée à coopérer. Comme tu me l'as dit. Merci. Je t'en prie. Écoute, Gina, je sais que toi et moi, c'est très difficile en ce moment. Oui, c'est juste qu'en ce moment, je suis un peu débordée à Mélodie. Mais dès que j'ai du temps libre, je te fais signe, ok? Ok. Ok, prends soin de toi. Comment tu vas, mon amour? Tellement manqué. Ça fait si longtemps. De l'Ouest et même du Nord. Et plus haut. C'est ensemble
ira pleinement. Notre destin sans rien craindre. Le sang des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah. Un leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main. Main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique.